Majestic de Kadjéon, ce mercredi après-midi, une salle pleine, instance colorée de gaieté, mêlée à la gravité. Gravité de l'importance de l'événement et gaieté d'une jeunesse illuminée et prête à servir sa patrie. Sur le chemin des grands défis, lance-toi pour la victoire. Je leader, un jour nous vont se lève debout et construit ton pays. L'histoire a commencé il y a 6 mois, longue et rigoureuse initiation à la vie et aux exigences de la vie de leader. Ces 35 jeunes ont été formatés par les plus grands et doués des formateurs. Ils sont prêts ce soir à assumer leur statut de leader. Vous êtes certainement intéressés de savoir si nous avons réussi. Si le Bénin dispose maintenant d'une génération de jeunes brillantes bien préparées pour assurer la relève. Si je ne me trompe pas, les jeunes ici ont bel et bien compris la différence entre être un leader et quelqu'un qui reste fidèle au poste ou qui aime le statu quo. Maintenant, c'est à eux de voir jusqu'à quel point ils peuvent ou ils veulent aller pour réaliser leur vision ou mieux, les visions de toute une génération. Combien ne sommes-nous pas à dire que la politique, c'est l'espace des pourris? Vous le dites souvent, n'est-ce pas? Et pourtant, ce n'est pas vrai. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Parce que les pourritures que vous trouvez là, vous les trouvez à l'église, vous les trouvez à la mosquée, vous les trouvez dans la société civile, n'est-ce pas? Vous les trouvez au champ, vous les trouvez dans vos lieux de travail, partout où les hommes sont, où des intérêts peuvent être amenés à se choquer, à s'entremêler, il y a toujours des intrigues. L'engagement ne signifie pas seulement être conseiller communal. L'engagement ne signifie pas seulement être ministre. L'engagement signifie identifier les problèmes de sa communauté, se donner les moyens d'apporter des solutions et accepter de se donner, de se sacrifier pour que ces problèmes soient réglés. Amis, parents des leaders, anciens jeunes leaders et le présidium dominé par 2 personnalités, sans oublier les artistes, le décor de la salle est tout bien dressé pour mettre les leaders en fin de formation face à leurs responsabilités. Construire son pays, ce n'est pas rester derrière son clavier pour critiquer ce que font les uns et les autres, toutes tendances confondues. C'est descendre dans l'arène. Ce n'est pas aimer, liker, comme nous disons, commenter, partager, tweeter, retweeter. Ce n'est pas ça qui compte. C'est descendre dans l'arène. Pour dire, moi je ne suis pas d'accord avec cette politique et apporter ces arguments. Sortie solennelle des jeunes leaders du Bénin, promotion 2017, cérémonie marquée entre autres par la remise de certificats de participation et l'engagement solennel des jeunes leaders du Bénin. Depuis 4 ans, promotion après promotion, Freddy Chebet réitère l'événement avec un but, faire du développement du Bénin un défi aux yeux de la jeunesse béninoise.